Papa, regarde cette photo. Il n'est pas mignon. Papa les a envoyés hier. Ton père doit passer un temps fou à prendre des photos de James. Oui, c'est vrai, mais il n'en a pas pris beaucoup de Ryan et de moi. Je crois qu'il veut rattraper le temps perdu. Regarde un peu celle-ci. C'est fou ce que James ressemble à papa. C'est incroyable, hein? Sarah, ça va? Oui, merci. Je veux retrouver mon père. Pas question, Sarah. Tout ça, c'est du passé. Pour moi, c'est pas du passé. Il faut que j'y aille. Non, tu n'es pas obligée de partir. Qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir retrouver mon père? Tu t'es passé de lui pendant 17 ans. Pourquoi veux-tu le revoir? Je crois que ça me regarde, tu ne crois pas? Alors ne compte pas sur moi pour t'aider, je n'ai pas l'intention de m'en mêler. Alors maintenant, tu vends de la drogue aux gosses chez Perth? Allez, viens. Il en bave drôlement, tu sais. Il ne l'a pas volé. Allez, vas-y, je te rattrape, d'accord? Non, laisse-le tranquille, il a besoin de réfléchir. Bien, t'en voilà. Tu veux que je te ramène chez Perth? Eh bien, toi aussi, il va te faire foutre. Est-ce que tu viens en cours? Dégage, chez Perth. Sors-toi, mon vieux. Qu'est-ce que tu fous ici? Tiens, c'est pour toi. Merci. Tu te rends compte, je ne sais rien du tout sur mon père. Oui, j'ai du mal à imaginer ce que tu peux ressentir, d'ailleurs. Oui. Tu sais, quand j'ai découvert qu'il était toujours vivant, j'étais folle de rage qu'on m'ait menti depuis si longtemps. Et depuis, bien sûr, depuis, je me pose plein de questions sur lui. Oui, ça me semble normal. Et puis, ça m'énerve que maman refuse d'affronter le passé. C'est trop facile. Oui, mais Sarah, elle veut oublier le passé, c'est tout. Et tu ne peux pas lui reprocher ça. Oui, je sais bien, c'est vrai. Oh, j'aimerais qu'elle me fasse un peu confiance pour une fois. Bien sûr. Et toi, qu'est-ce que tu ferais si tu étais à ma place? Je me débrouillerai toute seule. C'est vrai? Oui. Et tu pourrais m'aider? Oui. Oui. Il ne faut pas fermer l'école. Non, non, les effectifs sont trop importants. Et nous avons beaucoup plus de terrain que la plupart des autres écoles. Mais on va avoir du mal à plaider notre cause auprès du ministère de l'Éducation parce que ce cours de tennis est à l'abandon depuis si longtemps. Les élèves l'utiliseraient s'il était remis à neuf. Oh non, non, il est fichu. Il n'y a pas de fonds disponibles? C'est déprimant quand on y pense, hein? Pas maintenant, brave. Oh oui, quand alors? Faut prendre rendez-vous. Très drôle. Et si on allait chez moi tout à l'heure? Ah non, 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 j'ai des trucs à faire. Bah, tu les feras après? C'est très important. Ah oui, et nous, hein? Et moi? Oui, toi aussi, mais j'ai fait une promesse. Oh, Drazuc, je suis désolée. Ah, ce sera pour plus tard, vous deux. Ah non, elle dit qu'elle en a besoin tout de suite, monsieur, et que ça ne peut pas attendre, alors... Allez, en classe. Certains pays ont des problèmes qui résultent de leur passé tourmenté. Vous avez des exemples en tête? La Yougoslavie. Et oui, ce pays a une histoire très complexe. Tiens, voilà un autre qui a un drôle de passé. Ouais, on s'en passerait bien de celui-là. Ouais. Assieds-toi, Ryan. La défense, ça donne des ailes, pas vrai, Shepard? Ferme, Denis. Cherchons des points chauds qui résultent de conflits antérieurs, Ryan. D'autres exemples? L'Iran. L'Irlande du Nord rentre dans cette catégorie. Ryan? Anita, des idées? Israël, monsieur. Absolument. Le conflit entre les Arabes et Israël remonte à des siècles. Encore un exemple? Ouais, l'Amérique latine. Ouais. Oui, certaines nations ont connu des dictatures militaires durant des années. Vous avez peut-être un exemple? Si, la Colombie gringo. Oui, est-ce que la Colombie a un passé tourmenté, Ryan? Réponds. Si tu nous parlais de la Colombie gringo. Si, mais ça fait mal au nez. Je suis la pèdre assise. Hey, tu dois connaître la spécialité de la Colombie, toi. Tu peux nous parler de la Colombie, Ryan? Quelqu'un d'autre? Hé, hey Ryan, pourquoi t'es revenu? On veut pas te droguer à l'école. Toi, dégage, lâche-moi. Tu veux te battre? Oh, allez, 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 vas-y, allez. Oui, Ryan, tu as 2 heures de colle, Ryan, et viens me voir après les cours. Tu dis encore un mot, Denis, et tu le rejoins. Oh. Allez, vite, tous en classe. Il a rien fait, monsieur. Monsieur? Vous êtes sévère. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, c'est pas facile. C'est vrai, c'est pas mon problème. Alors tu ferais peut-être mieux de ne rien dire. Ne soyez pas trop dur avec lui. Et pourquoi tu dis ça? Il traverse une période difficile en ce moment, c'est tout. Toi aussi, non? C'est dur pour les autres aussi. Allez, dis-moi un peu plus. Il a pris de la drogue. Il en prend toujours?
Non, il ne viendrait pas au lycée s'il continuait à en prendre, monsieur. Expliquerait certaines choses. Oui. Dites, vous direz rien. Non, 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 ça reste entre nous. D'accord, merci. De rien. Allez. Allô, monsieur Livingstone? Je m'appelle Sarah Livingstone et je recherche mon père. Allô? Il a raccroché. C'est un peu normal, Sarah. Monsieur, vous avez la quarantaine. Bien. Est-ce que vous habitiez dans la région il y a 17 ans? Je m'appelle Sarah Livingstone et je voudrais retrouver mon père. Oh, mais comment vous en êtes si sûre? Ah, je vois. Oui. Au revoir. Il est gay. Sarah, ça ne sert à rien du tout. Tu perds ton temps, tu entends ce que je te dis? Non. Mais laisse-moi essayer encore. Non. Je voudrais en appeler d'autres. Laisse-moi essayer. Tu as plus de chances de gagner à la loterie, tu oui, sais. Oui, eh bien, il y a beaucoup de gens qui gagnent. Ouais. Tu as raison. On m'a déjà tellement menti. Je ne m'appelle peut-être même pas Livingstone. Je t'ai déjà dit de ne pas remettre les boîtes vides ici. Celle-là aussi est vide, tu vois pas? Ne remets plus ça, ça vous dirige un commerce, Drazik. Alors, Aya, j'ai fait ce que tu m'as dit. Oh, ça va? Mais... C'est bon, il a filé. Hey, ça va? T'as mal ou quoi? Ouais. Ryan, tu es même en retard pour ta colle. Désolé. Ce n'est pas suffisant d'être désolé. Vous êtes en short, monsieur. J'ai pas fait beaucoup de sport ces derniers temps. Quoi? Tiens, on va jouer au tennis. Et si tu me bats, tu pourras rentrer chez toi. C'est ça ma punition? Si tu gagnes, oui. C'est sérieux? Allez, vas-y, qu'est-ce que tu attends? Allez, serre! Mais il n'y a même pas de filet. Allez! Ah, ben alors! Ouh, tu fais un mauvais trip, Shepard. Ah, c'est une blague? Hey, t'as pas pris assez d'amphétamine, hein? Oh. Allez, rentre chez vous, les gars. Tête de... C'était le camp. Allez, va jouer à la baba. T'as raison, te laisse pas faire. Ouais, tu parles. Il faut bien reconnaître que tu as fait certaines choses qui ont dû choquer tes camarades. Non, pas de sermon, hein. J'étais déboussolé, mais c'est terminé, ok? Tu vas pas t'en sortir comme ça. Il faut réparer. Pareil que vous avez une petite idée? Oui. Vous voulez que je nettoie ce dépotoir? Je t'aiderai. Vous plaisantez? À demain matin. Je suis obligé de le faire. C'est comme tu veux. Donc, vous ne l'avez pas vu arriver? Il a pris la porte de derrière. Il est arrivé à toute vitesse. Moi, j'étais parti depuis... 30 secondes. Il a pris combien? Environ 100 dollars. Ouais, je vois. Ça doit être un drogué. Vous allez relever ses empreintes? Donc, il avait environ ma taille et il portait un blouson en cuir. Son casque était de quelle couleur? Noir. Rouge. Enfin, rouge foncé. Blanc. Est-ce qu'il a pris autre chose, vous croyez? Oui, il a pris mon sac. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Oh, 10 dollars et ma carte d'identité. Hein? Ça va aller? Oui. On peut vous ramener chez vous. Ah, oh, c'est cool, j'ai jamais été dans une voiture de flic. Ce n'est pas à vous qu'on s'adresse. Non, je crois que ce n'est pas gueule, nécessaire. Bill. Très bien. Allons-y. Au revoir. Bouge ton corps, bouge ton corps. Écoute, Sarah, si tu poses à ta mère les bonnes questions, elle sera forcément obligée de te révéler certaines choses. Oui, mais ce sera pas facile. Alors que si c'est toi qui les poses, elle répondra plus librement. Oui. Oh, révérend, maman n'est pas là. C'est toi que je veux voir, Sarah. C'est vrai? N'aie pas l'air si surprise. Pardon.
Je crois savoir que tu te poses certaines questions sur tes origines. C'est maman qui vous a envoyé. Oh, Anita peut rester. Qu'est-ce qui t'inquiète à ce point-là? Rien, je veux savoir qui est mon père, c'est tout. C'est parfaitement compréhensible. Mais ça fonctionne dans les deux sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il t'est venu à l'idée que ton père pouvait ne pas avoir envie qu'on retrouve sa trace? Oh, pourquoi il refuserait? Pour de nombreuses raisons. Il a son mot à dire, lui aussi. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Mais qu'est-ce que ça changerait si tu retrouvais ton père? Tu resterais tel que tu es. Ça ne changerait pas grand-chose. Tu sais qui tu es, Sarah. Est-ce que tu réalises ce que ça représente pour ta mère? Elle en souffre beaucoup. C'est elle qui m'a dit qu'il était mort. Bon, elle a peut-être commis une erreur. Oui. Mais maintenant, elle se sent rejetée. Pourquoi? Ta mère t'a élevée toute seule durant toutes ces années. Et aujourd'hui, tu as l'air plus intéressée par un père qui t'a laissé tomber. Tu devrais penser à ton avenir, Sarah. Je voudrais faire les deux, révérend. Est-ce que tu réfléchiras un peu à ce que je t'ai dit? Ah, ces flics sont franchement nazes. Ils ont mis des heures pour arriver. Ils ont relevé les empreintes? Non. Ils sont allés à sa recherche? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais je ils sais s'en pas. Foutent, un point c'est tout. Et pourtant, on leur a donné toutes les infos. Tragique! Quoi? Mes clés étaient dans mon sac. C'est pas si grave, voyons. Mais il sait où j'habite, il va entrer avec les clés. Mais non, c'est pas toi qui l'intéressais, c'est le fric qui voulait. Écoute, je veux qu'on change le verrou. Moi, je veux bien, mais ça va nous coûter une fortune. Tant pis, il faut qu'on le fasse. Bon, alors donne-moi un coup de main. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Soulève l'autre côté. On va le mettre contre la porte. Bloquer la porte. Tu sais, ça va pas l'arrêter. Bon, alors écoute, je vais passer la nuit sur le canapé. Je monterai la garde. Si quelqu'un débarque, il faudra qu'il passe sur le sofa et sur moi. Tu piges? D'accord. Bon. Un thé? Oui, merci. Dans cet album, on a de super photos. Oh, tiens, là, c'est moi avec mon premier petit ami. En fait, ça a été mon seul petit ami. J'étais si jeune. Et là, c'est qui? Là, c'est maman et moi. C'est Kate? Oui. Oh, tu rigoles. Oh, mon Dieu, elle était drôlement belle. C'est vrai, elle était très jolie. C'était en quelle année? Je sais pas, je devais avoir environ 4 ans. Oh, regarde, c'est toi. Oh, que t'es mignonne. J'avais une jolie robe. Et lui, c'est qui? J'en sais rien. J'ai vu sa photo plusieurs fois dans l'album, mais... C'est peut-être lui. Oh, attends, je crois qu'il y a une autre photo de lui. Celle-là. C'est drôle, je trouve que tu lui ressembles un peu. C'est vrai? Oui. Franck, Noël 1978. Mais Franck, Franck qui? J'en sais rien, c'est ce qu'il faut qu'on cherche. Il y a bien quelqu'un qui connaissait ta mère en ce temps-là. Oui, mais ce n'est pas maman qui va nous aider. Ouais. Quelqu'un peut venir m'aider? Oui, j'arrive. Que s'est-il passé d'intéressant aujourd'hui? Le révérend Harry s'est passé. Ah oui? Mmh. C'est dommage, je l'ai raté. Ouais. C'est sûrement quelqu'un de bien. Il est très gentil. En fait, ça fait longtemps qu'il dirige cette église. Oh, ça fait bien 20 ans au moins. Donc, il vous connaît depuis que vous vivez dans la région? Depuis mon adolescence. Ah bon? Il vous connaît très bien, alors. Je n'apprécie pas que tu oses fourrer ton nez dans ma vie privée, Anita. Excusez-moi. Et je sais très bien que tu pousses Sarah à rechercher les traces de son père. C'est alors, elle m'a demandé de l'aider, je pouvais pas dire non, quand même. Où est Sarah? Elle fait ses devoirs. Krasik, c'est... Krasik, ce n'est rien, je suis désolée.
Je monte la garde, vas-y, retourne te coucher. Oh. 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 Fais plus jamais ça. C'est pas vrai. Le révérend est le seul lien avec mon passé. Oui, et il a pris parti de ta mère. Oui, je sais. Tu trouves pas? Si. C'est vrai. Tiens, quand on parle du loup. Chut, révérend Harris. Bonjour. Bonjour. Voilà une surprise. Vous allez à l'école? Oui, mais on aimerait vous voir une petite minute. Moi? Oui. Oui. Nous avons besoin de votre aide. En quoi pourrais-je vous aider? Eh bien, vous connaissiez maman quand elle habitait ici autrefois. Je voulais savoir si vous aviez vu mon père. As-tu réfléchi à ce que je t'ai dit? Oui, je n'ai fait que ça. Cela dit, si mon père refuse de me connaître, je préférerais l'entendre de sa bouche. Alors pourquoi s'adresser à moi? Eh bien, parce que j'ai pensé que vous pourriez peut-être reconnaître cet homme. Désolé, je ne peux pas t'aider. Oh, allons, je ne vous demande pas grand-chose. Je vous en prie, écoutez, je sais qu'il s'appelle Franck et il a dû aller à l'église. Désolé. Nous avions une communauté très active en ce temps-là. Des centaines de gens venaient à nos offices. Vous pouvez jeter un coup d'œil, s'il vous plaît. Où l'as-tu trouvé? Dans notre album de photos. Et ta mère est au courant? C'est bien ce que je pensais. Ça m'étonnerait que ce soit lui. Oui, je sais, c'est possible. Mais est-ce que vous savez qui c'est? Il s'appelle Frank Willis. Il est mécanicien, mais je regrette, je n'en sais pas plus. D'accord. Merci. Je suis content de te voir. J'avais rien d'autre à faire. Oh, c'est une bonne raison. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Après avoir mesuré l'ampleur des dégâts, je propose qu'on s'y mette pour de bon après les cours. Trop tard. Je suppose qu'on va travailler gratis. Ça aurait été trop beau. Il y a beaucoup de boulot. Hein. Vous l'avez dit. Vous avez des vieux vêtements? Ben, j'ai mon short. Génial. Au moins, on va rigoler un peu. Geronimo! Oh, désolé, je voulais pas t'effrayer. C'est pas grave. Mais fais gaffe, abruti! Je l'ai pas fait exprès, relax! Mais sur les nerfs, elle a pas besoin d'un crétin comme toi en plus! Ça va, relax! Enfoiré, désolé, mais. Laisse tomber, c'est rien. Ça va? Mais ouais, il m'a fait peur, c'est tout. En tout cas, on avance, tu ne trouves pas? Oui, mais on n'est pas sûr que ce soit ton père, tu sais. Oh, mais si, regarde, si, c'est lui! On j'en sais rien. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Oh, on n'a pas beaucoup d'informations. Mais on connaît au moins sa profession. Oui, on n'a qu'à appeler tous les garages de Sydney et on demandera Franck. Ouais. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Ça devrait pas être trop dur. Oula, c'est qui ça? Non, rends-moi ça. Bah dis donc, elle est pas un peu vieux pour toi, non? Rends-moi ça tout de suite, t'as compris? Rends-moi ça, Drastic. Vas-y. Rends-moi cette photo. S'il te plaît, s'il te plaît, Drastic. Rends-la-moi. Est-ce que tu prends la pilule? Oula, on peut plus s'amuser. Laisse-moi tranquille. Sarah, je t'en supplie. Tu sais, tu dois prendre la pilule. C'est trop Attends. Important. Supermarché. On va finir par nous vendre des nouveau-nés sous cellophane. Oh, regarde, c'est lui, le voleur! Quoi? Il m'a suivi! C'est lui! Mais non, c'est un gars en moto. Comment tu sais que c'est lui? Je le reconnais bien, voyons, regarde, c'est lui, bien sûr! Il a un blouson en cuir! Tous les motards portent un blouson, ça n'a rien d'original. T'es parano en ce moment?
Marianne, ça ira pour aujourd'hui. Alors, déjà fatigué? Ah, je n'ai plus ton âge, mon cher. Comment ça va? Un peu d'exercice, ça fait du bien. Et puis ça me change les idées. Ça n'a pas été facile pour toi? J'en ai bavé ces derniers temps. Je m'en doute. C'était pas très marrant. Comment c'est arrivé? J'essaie de t'aider, je peux? Écoutez, j'ai pas envie d'en parler, d'accord? Bon, je n'ai rien dit. Il est très tard. J'y vais. À demain matin. C'est marrant, regarde. Qu'est-ce que vous complotez, toutes les deux? Je sais qui est mon père, ça y est. Je les ai découvertes dans l'album. C'est papa, n'est-ce pas? Tu n'as rien découvert du tout. Elles y sont depuis des années. Mais je sais qui c'est. Il s'appelle Frank Willis. C'est vrai. Mais ce n'est pas ton père. De toute façon, tu ne diras rien. C'est la vérité. Alors prouve-le. Où est-ce qu'il habite? Je n'en sais rien. Pourquoi tu ne veux pas me le dire? Je ne sais pas du tout où il habite. Un autre mensonge, sans doute. Toi, je t'avais dit de ne pas t'en mêler. Oh, non, moi... non, ce n'est pas sa faute. Mais qu'est-ce qui te prend tout d'un coup? Quand est-ce que tu vas te rendre compte que j'ai besoin de savoir qui est mon père? Qui est là? C'est moi. Drazi? Qu'est-ce que tu fous? Oh, excuse-moi. Ayon, tu fais le ménage bizarrement, toi. Je suis complètement paniquée, je me reconnais plus. Enfin, arrête, May, il va falloir que tu te contrôles. Mais oui, je sais, je te jure, mais ça m'a traumatisée, je suis morte de trouille. T'inquiète pas, et regarde ça. Avec ça sur la porte, personne ne pourra pénétrer chez nous. Enfin, sauf si tu les invites. T'es sûr que ça va tenir? Ah ouais, c'est super solide. Ça sera plus efficace que le sofa. Mais bon, je coucherai encore dessus au cas où ils reviennent en char d'assaut. Ça te va? Il fallait que je me rassure. Oui, ben j'ai bien compris. Faudrait que tu me rendes un petit service maintenant. Mm-hmm. Tu dois bien avoir un tournevis quelque part, non? D'abord, on va tout remettre en place. Prends ça. T'inquiète pas, tu crains rien. Drazik. 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 Hein? J'ai entendu du bruit. Ouais, c'est le vent. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui entrait. Ah ouais? Oh, j'ai envie de faire dodo. Drazik, je te jure que j'ai entendu quelqu'un. Je suis crevé. Mais j'entends plein de bruit. Allez, viens. Allez, viens. Oh, suffit, calme-toi. Chut, tu calmes. Allez. Allez, arrête, calme-toi. J'avais aucune envie d'aller sur ce court de tennis. Et pourtant, j'ai... Ouais, j'avoue que c'était marrant. Moi, j'y vais. On se voit en cours. Salut. Tout ça est stupide. Arrêtez toutes les deux, c'est de la folie. Ce n'est pas ma faute, ce n'est pas moi qui raconte des bobards. Sarah... Voilà où Frank Willis travaille. Vas-y, tu verras bien.
Tu vas dire quelque chose à Anita? Non. Drazik, à propos d'hier soir... Ça n'aurait jamais dû arriver. Et il s'est rien passé. On en reste là, si tu veux bien. D'accord? Il ne s'est rien passé. Voilà. Complètement ridiculisé. Oh, ça peut arriver. J'ai passé 6 mois en maison de correction. C'est pas vrai? Si. J'aimais les voitures. Celles des autres, bien sûr. Je vous imagine pas entre eux. Hein. Eh bien, à la maison, c'était pas toujours marrant. Vous vous en êtes bien sorti? Ça a pris du temps. J'ai eu des problèmes de cœur. Ah, les filles peuvent vous rendre dingue. Ouais, enfin. C'était pas elle, non. C'était moi. J'ai pas été très malin avec elle. Quand on connaît ses torts, on a presque tout résolu. Vous avez volé d'autres voitures depuis ce temps-là? Non. Ça m'a tenté, pourtant. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Tu sais, j'ai réalisé que tout ça, c'était bien beau, mais si je ne reprenais pas confiance en moi... Qui le ferait? C'est sûrement lui. Il n'a pas beaucoup changé. Alors, je devrais m'appeler Willis. Oui, je suppose. Non. Sarah, qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Mais attends, et s'il refusait de me parler? Allez, avance et surtout ne te dégonfle pas, tu vas bien voir, ok? D'accord, mais tu penses que c'est une bonne idée? Sarah, ça fait des années que tu ne penses qu'à retrouver tes origines, alors fonce! Fonce! Oui, j'y vais, tu m'attends au moins? Oui, je t'attends, je te le promets. J'y vais, souhaite-moi bonne chance. Hey. Monsieur Willis? Monsieur Frank Willis? C'est moi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je crois que vous êtes mon père. David est chouette. Oh, ouais, il doit tenir de sa mère. Je ne suis pas d'accord. Tu es bien flatteuse, toi. Tu sais, j'aurais bien aimé être ton père. C'est drôlement sympathique. Merci. Voilà, alors vous le mettez comme ça. Oui, mais là, ça ne t'avance pas beaucoup, hein. Pas vraiment. Est-ce que vous savez par hasard qui est mon père? J'ai peur que non. Je n'ai pas revu ta mère après qu'elle m'ait laissé tomber. Ça n'a pas dû être drôle. C'est seulement 2 ou 3 ans après que j'ai su qu'elle avait déménagé. Et comment se fait-il que vous ayez rompu? Je n'allais pas beaucoup à l'église. Ah, c'est toujours si important pour elle. Bon, merci pour votre gentillesse. Il faut que je m'en aille. Je suis vraiment heureux de te connaître. Moi aussi. Si tu veux une voiture, tu viens me voir. Merci. Dis bonjour à Kate pour moi. D'accord. Au revoir. On va. Il travaille dur, hein? C'est une nouvelle expérience. Il fait des efforts, Nicky. Accorde-lui au moins ça. Tu crois que je me trompe en faisant tout ça? Non, c'est important pour toi, alors fais-le.
Oui, mais peut-être que ça ne changera rien. Je sais pas, peut-être que ça peut dire encore. Si ça se trouve, il faudrait. Oh, bonjour. Vous devriez être en classe. Tu t'es bien moqué de moi, maman. Ce n'est pas juste, Sarah. Je t'avais dit qu'il n'était pas ton père. Alors, tout cela n'aboutit à rien. Il a raison. Tu ferais mieux de me dire la vérité. Ce n'est pas ce que je veux dire, Sarah, et tu le sais très bien. Alors, je n'ai pas le droit de savoir qui est mon père. Il ne s'agit pas de droit. C'est pas à vous que je parle, taisez-vous. Je t'interdis de parler comme ça. On en reparlera tout à l'heure. Dis-moi qui est mon père tout de suite. Je ne veux pas discuter de tout cela sur le trottoir. Oh, je t'en prie, maman. Tant pis, ça ne fait rien. D'une manière ou d'une autre, je vais bien y arriver. Je n'ai pas l'intention d'abandonner. Révérend. Quoi? Oh. Oh, bravo, vous deux. Allez, viens, il faut qu'on aille au lycée. Allez. Ouais, écoute, vas-y toute seule, je me sens pas très en forme. Non, je reste avec toi. Non, je crois que j'ai besoin d'être un peu seule. T'en es sûre? Oui, oui, ça va aller. Je te verrai après les cours, à tout à l'heure. Oui. Ouh, Sarah, quelle belle nana! Alors, ça roule? Oui, ouais. Fantastique. Ça, comment ça va? Oh, ben, je suis plutôt contente de te voir. Où est-ce que t'es dépassée? J'étais avec Sarah. Et bon, est-ce que tu sors avec elle ou bien avec moi? Je n'ai pas très heureuse en ce moment, des histoires de famille, tu comprends? Et moi, hein, je suis en manque, moi. On sort ce soir? Ça dépend. Bon, alors je vais essayer de te convaincre, ma petite chérie. Oh, alors, qu'est-ce que t'en dis? Allez, on sort ce soir, d'accord, hein? Hé! Hey. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Comment on doit réagir quand on fait quelque chose de vraiment mal? Non, je crois qu'on peut réparer et se racheter. J'aimerais pouvoir le faire. Moi aussi. Écoute, je suis pas le mieux placé pour donner des conseils. Ça fait du bien d'en parler. Je crois que tu devrais... Tu devrais te lever et te remettre au boulot. Tu crois pas? Ouais, tu as certainement raison. Ça m'était pas arrivé depuis longtemps. Qu'on me dise que j'ai raison. Allez, on va en classe. D'accord. Hein? Ouais. Des moments merveilleux. Je ne t'oublierai jamais, Katie. Tendrement, Charles Harris. Ah ouais, je trouve que ça te va bien de balayer les ordures chez Perce. Je parie que t'adores les mauvaises herbes, hein? Alors maintenant, tu peins des lignes blanches, je sais pas. Ouais, t'es surtout bon pour les sniffer, les lignes, pas vrai? La ferme, Dennis. Ça va. Qu'est-ce qui te prend? Je savais pas que t'étais de son côté. Ça te regarde pas. Occupe-toi de tes affaires. T'es mad ou quoi? Oh, t'es pas grand. Allez, dégagez. Va voir ton petit ami. Ouais. Le cours a changé. Hein? T'as besoin d'aide? Tu veux vraiment m'aider? Je te propose mon aide. Bon, sympa. Faut réparer la chaise d'arbitre. Je sais pas ce qu'on peut en faire. Je peux la remettre en état. Ah ouais? Faudra en faire un truc différent. Comme quoi? Ben, moi, je trouve que les arbitres se prennent un peu trop au sérieux. Alors? Ben, faudrait trouver une idée marrante. D'accord. Je vais m'en occuper. Super. Bien sûr, il a pris l'argent, mais vérifiez si tout le reste y est. Vous l'avez pas arrêté, je suppose. On a souvent du mal à les retrouver. Ah ouais, c'est pas comme à la télé. Hein. Génial, t'as tes clés au moins. Donc, il a pas dû en faire un autre trousseau? Bah, c'est possible aussi.
Alors, vous êtes complètement nul. Pourquoi il s'amuserait à refaire un trousseau de clés s'il a les originales? C'est bien vu. J'aurais dû penser à ça. Et où avez-vous retrouvé mon sac? Dans une poubelle au coin de la rue. Cool, maintenant on va pouvoir dormir en paix. Très bien, on y va. Salut. Merci, c'est gentil. J'ai trouvé ça. Toute ma vie n'est qu'un énorme mensonge. Nous avons fait pour le mieux. Pour qui? Je voulais te le dire, je te jure que c'est vrai. Sarah, je suis ton père. Ça n'était pas si difficile. J'avais peur de te traumatiser. Oui, eh bien ça, c'est gagné. J'aimerais que tu comprennes bien une chose. C'est arrivé parce que nous nous aimions. Ah bon? Ça me rend curieuse. Est-ce que ça continue? Est-ce que vous vous donnez toujours rendez-vous dans des hôtels minables? Oh, Sarah, je te prie de te taire. Vous êtes un homme d'église. Oui, j'ai commis une erreur. Même un pasteur peut avoir des faiblesses. Non, vous venez de détruire toutes mes convictions religieuses. Essayez de voir la situation de mon point de vue. Non, je refuse. Vous êtes pitoyable, je vous plains tous les deux. Ça m'est égal ce que tu penses de moi, mais ta mère mérite le respect. Oh, papa, pas de sermon. D'accord. Ta réaction est tout à fait normale. Mais je t'en prie, sache que ma porte te sera toujours ouverte. Après l'avoir fermée durant 17 ans. Oui. Si vous saviez à quel point je vous déteste, vous me dégoûtez. Fichez le camp. Moi, je vais me coucher. Tu veux regarder? Non. Pourquoi tu te couches si tôt? Je suis crevé. Au moins, personne ne va rentrer chez nous ce soir. À propos d'hier soir. On a dit qu'on oubliait. Je sais. Je n'y arrive pas. Mais ça n'arrivera plus jamais. Est-ce que tu peux te mettre ça dans ta tête? Je crois que je suis amoureuse de toi. Je suis avec Anita, alors contrôle-toi un peu. Hé hey. Salut. Est-ce que je peux t'aider? Ouais. Tu peux prendre ça? Si tu veux, oui. Nikki, pardon, je me suis mal conduit. J'étais blessé. Ouais, moi aussi. Si on repartait à zéro. Hey, oh. Hey, regardez. Ouais, joli. Ouais, super. Beau travail. C'est génial. Vous allez là-bas, cœur. C'est plus pratique comme ça, non? Bravo. Sarah, il faut qu'on parle. C'est un peu tard, maman. Maintenant, j'ai enfin la réponse. J'aurais peut-être dû te le dire avant. C'est maintenant que tu t'aperçois de ton erreur. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Comment est-ce que tu peux dire ça? J'ai essayé de t'éviter le déshonneur et la honte. Quel déshonneur? La moitié de mes amis viennent de familles désunies. J'ai pensé que si on déménageait et si je te disais que ton père était mort, tu as inventé tous ces mensonges pour me protéger. Après t'avoir raconté ça, je n'allais pas le démentir. Mais est-ce que tu mentais avant de le connaître, maman? Je ne pouvais pas faire autrement. Il était marié, il avait des enfants. Ça ne l'a pas empêché d'avoir une liaison avec toi. Mais cette histoire remonte à tellement longtemps. Nous devrions parler de ce qu'on va faire maintenant. Écoute, Charles Harris est très respectable. Tu entends ce que tu dis, maman? Tu essaies encore de protéger cet homme. Ce n'est pas si simple que ça. Tu crois? Il t'a fait du mal et il continue encore maintenant. Il assure une fonction très importante. Il a gagné le respect de la communauté et nous devons le protéger. Non, c'est un hypocrite. Et toi aussi.
compris, essaie de comprendre. Je n'ai pas envie de comprendre. Je veux oublier jusqu'à son existence. Du calme, les gars. Merci, ma chère. Merci. Plus vite. Allez, monsieur. Oh. Les joueurs sont prêts. C'est parti. Service. 15-0, monsieur Albert. Non, non. La balle était dehors. Ça suffit, t'as compris. Il faudrait que tu mettes des lunettes. Toi, la ferme. 15-0, monsieur Albert. Du calme. T'as un problème, Ryan? Je peux pas me concentrer. Comment ça? C'est votre pantalon, ça devrait être interdit. Allez, allez, continue. Faites pas attention à lui, monsieur. Vous allez le battre, monsieur. Surtout avec son pantalon, là. Ouais. Faut jouer, là. Ah oui. Faut de la psychologie au tennis, monsieur. Allez, allez, allez. Allez, joue, tu parleras tout à l'heure. Encore un essai. Chut. Un peu de calme. Chut. Allez. On s'est dit comment vous jouez. Allez,